Bonjour à tous, dans cette vidéo, on pratique ensemble la consonne fricative uvulaire voisée, le R. C'est parti! Bienvenue dans cette vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, on pratique la prononciation du R. Le R, c'est un son qui pose souvent problème et on va voir plusieurs techniques pour que vous puissiez le prononcer. Dans cette vidéo, on va pratiquer le R dans différentes situations parce que sa prononciation est plus ou moins difficile en fonction des lettres qu'il y a avant ou après le R. Dans cette vidéo, on va pratiquer seulement avec les voyelles. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on pourra aussi pratiquer le R avec les différentes consonnes. Pour commencer, premier objectif, prononcez le R de manière isolée. R, R. La première chose que vous devez savoir, c'est que le R est à ce niveau de la gorge. Il est très haut. Juste là. Les sons qui lui ressemblent le plus sont le G et le K. Deuxième chose, la position de la langue est très importante. La langue doit être collée en bas. Elle ne doit pas toucher le palais. Le palais, c'est la partie supérieure de l'intérieur de votre bouche. Elle doit rester en bas, en toutes circonstances. R. R. Le bout de la langue touche la racine des dents. Ici, pour vous aider à faire ce son, il y a plusieurs techniques. Premièrement, la technique du verre d'eau, la technique des gargarismes. Démonstration. Vous prenez de l'eau et vous faites un gargarisme. L'objectif est de voir où se place le son. Démonstration. Attention. Mais c'est ça, je suis désolée. Voilà, un gargarisme. Vous voyez, le gargarisme se fait ici, à ce niveau de la gorge. Et c'est d'ici que doit sortir votre R. Deuxième technique qui peut aussi vous aider, la technique du stylo. Je prends un stylo. Je place le stylo comme ça. R. R. Ça, c'est très utile pour vous obliger à maintenir la langue en bas, collée en bas. Donc, prenez un stylo et on pratique ensemble. R, R. Ça vous oblige aussi à sourire pour prononcer le R, R. On n'est pas obligé de sourire pour prononcer le R, mais quand on apprend à le prononcer, ça aide de bien étirer les lèvres. R. R. Dernière chose qu'il faut absolument prendre en compte, votre gorge doit être détendue. Quand vous prononcez le R, il n'y a rien qui bloque l'air. R. R. L'air sort de manière continue de la gorge. Donc vous devez détendre votre gorge et ne pas la contracter. R. Attention, subtilité, le R français peut être sourd ou voisé. On peut prononcer R ou R. Ça va dépendre des lettres qu'il y a avant et après. Ça va dépendre des sons qu'il y a avant ou après. Juste un petit exemple. Par exemple, si je prononce gris, gris, le R va être voisé et beaucoup plus doux que si je prononce par exemple cri, cri, où le R est sourd et va être plus prononcé. Gris, cri, gris, cri. J'attire votre attention dessus pour que vous le sachiez. En général, on le fait de façon plus ou moins inconsciente et la prononciation voisée ou sourde du R dépend naturellement des sons qu'il y a avant ou après ce R. On passe à la prononciation. On va pratiquer différentes combinaisons avec les différentes voyelles. Pour commencer, R plus A.
je prononce ra, ra. Attention, n'oubliez pas de bien détendre la gorge. Vous pouvez toujours utiliser le stylo pour prononcer ra, ra et bien garder la langue collée en bas. J'insiste, c'est très important. Ra, ra, un ra, un ra. Pratiquez plusieurs fois. Vraiment, je vous conseille de regarder, de re-regarder, de re-re-regarder cette vidéo jusqu'à ce que ça devienne automatique pour vous. N'hésitez pas vraiment à pratiquer plusieurs fois. On passe à la deuxième catégorie, R plus E. Par exemple, réaliser, réaliser. Les lèvres sont étirées, je détends la gorge, la langue est collée en bas. Ré, ré, réaliser. Réaliser. Même chose, vous pouvez pratiquer avec un stylo. Ré, réaliser. Vous voyez, le R n'est pas très fort. Vous pouvez bien sûr l'accentuer. L'objectif est de bien articuler. C'est toujours mieux d'articuler de façon plus prononcée, de faire un R plus fort pour ensuite réduire son intensité et pouvoir vous adapter plutôt que de ne pas le faire assez fort. Donc n'hésitez pas à accentuer et à pousser la prononciation. On pratique R plus E. Attention, quand on pratiquait R plus E, c'est un son qui reste étiré. Donc en réalité, c'est plus facile. R plus E, vous avez le R qui se prononce ici et le E qui se forme ici. Donc vous voyez, c'est très éloigné. Donc c'est peut-être un peu plus difficile. C'est la difficulté au-dessus. Par exemple, regarder, 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 regarder. Langue en bas, collée, gorge détendue, l'air passe, re, re, regarder. Ça va ? Bon. On continue cette fois-ci avec le son E. On a étudié R plus E, R plus E, et maintenant R plus E. Par exemple, règle, règle. Le E est étiré. Rappelez-vous, quand le E est étiré, vous pouvez pratiquer avec le stylo. Où est mon stylo ? Vous pouvez pratiquer avec le stylo. Règle, règle, règle. La langue en bas, la gorge détendue, ouverte et le bout de la langue qui touche la racine des dents de devant, en bas. R, R. Maintenant, numéro 5, le R plus E. E. Par exemple, en français, on utilise le mot qui vient de l'anglais, un rush. Un rush, c'est une partie de vidéo. Un rush, rush, rush. On continue cette fois-ci avec le I. R plus I. Même chose, le I, c'est un son qui est étiré, donc vous pouvez pratiquer avec le stylo. Ri, le, ri, 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 ri. Ça va ? On continue ? Courage ! Numéro 7, le R avec le O. Par exemple, dans le mot robot, robot. Attention, le son est plutôt concentré sur le devant de la bouche, alors que le R se fait dans le fond de la gorge, donc il y a une différence, hein. Robot, robot, R, O, c'est éloigné, ro, robot. En français, on a un deuxième O qui est plus ouvert, par exemple dans le mot robe, robe, une robe. On continue, numéro 9, R plus U, par exemple la rue. Ça, c'est le plus difficile à prononcer. Le U n'existe pas dans toutes les langues et parfois ça pose problème quand on prononce le R et le U ensemble. Rue, la rue, la rue, la rue. C'est pas facile, je sais. Le R n'est pas très prononcé quand il est accompagné du U. Rue, rue, la rue. Le dernier, le OU, R plus OU. Comme par exemple le verbe trouver. Trouver, trouver. Même chose, rappelez-vous, on détend la gorge, la langue est collée en bas. Trouver, trouver. Est-ce que vous entendez que quand je prononce le R accompagné d'un OU, il est beaucoup plus doux
que si c'est par exemple avec un i. Si je prononce kangourou, kangourou, le R est beaucoup moins fort, beaucoup moins prononcé que si je prononce par exemple le mot irritable, irritable. Kangourou, irritable. Kangourou, irritable. Donc le R, je répète, est plus ou moins prononcé en fonction des lettres qu'il y a avant ou après, en fonction des sons qu'il y a avant ou après. On termine ici cette vidéo, on ne va pas voir dans cette vidéo les voyelles nasales, le R avec les voyelles nasales en rin, ran, ron. On ne va pas voir les consonnes non plus, sinon je vais vous tuer avec cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourra faire une deuxième partie ou une troisième partie à cette vidéo pour continuer de pratiquer le R. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous et à bientôt !